Parce que c'est moi qui décide. J'ai décidé de sortir, d'aller danser et, comme disent les jeunes, de m'éclater. Bien apprêtée, une jolie tenue, maquillage soutenu, un rouge à lèvres à faire pâlir le rouge d'un feu tricolore, me voilà sur la piste de danse. Je virevolte tel un torero dans une arène. Une sangria, deux sangrias, trois sangrias. Je connais mes limites, je m'arrête. Avec le temps, j'ai appris, je me contrôle, parce que c'est moi qui décide. Un taureau arrive. Quel étalon! Je ne vais pas le laisser s'échapper. Je tourne autour de lui. On tourne, on se retourne, deux temps, trois mouvements, puis j'entends. J'habite tout près. Suis-moi. Vous penserez, est-ce raisonnable? Je répondrai, à 50 ans, est-ce le temps d'être raisonnable? Dans la chambre, un lit domine la pièce. Je me jette sur ce lit complètement défait. Je me faufile sous les draps tout froissés. On les enroule, on les déroule. Ils finissent en boule. Je sens l'alcool, ils sentent le tabac. Je prends du plaisir. J'en donne aussi. Puis tout s'arrête. Il est 4 heures du matin. Il dort. Plutôt, il ronfle. Le glamour s'en est allé avec le lever du jour. Je me lève, sans bruit, sur la pointe des pieds, mes louboutins à la main. Je m'approche de la table de nuit. Je dépose 50 euros. Cela suffit. Je vous l'ai dit, parce que c'est moi qui décide.